Cerné par François Fillon et Alain Juppé, déjà lancé dans la primaire pour 2017, Nicolas Sarkozy lance à son tour l'offensive. Dans un entretien aux Parisiens, l'ex-chef de l'État se dévoile. Mais pas question de livrer trop de regrets sur son bilan à l'Élysée, car d'autres s'en chargent à sa place. En 2007, on n'a pas tout changé justement. Et parce que dans cette campagne interne, François Fillon et Alain Juppé jouent la carte de la sagesse et du rassemblement, Nicolas Sarkozy, pour tenter de les contrer, concède dans les colonnes du quotidien des erreurs de comportement, en revenant notamment sur l'épisode du « casse-toi pauvre con » lorsqu'il s'était emporté contre un visiteur dans les allées du salon de l'agriculture. « J'ai cédé à une provocation, dit-il. Une personne m'avait insulté, c'était son droit après tout. Je n'aurais pas dû lui faire de publicité. » Mais cette sortie médiatique est surtout une façon pour lui de se positionner dans la course à la primaire. Il donne rendez-vous en septembre 2016 pour savoir s'il se lancera ou pas. Une candidature à peine voilée qui fait sourire Alain Juppé. Je suis bouleversé, ce suspense est absolument intolérable. En se plaçant pendant encore un an au-dessus de la mêlée, Nicolas Sarkozy compte améliorer pendant ce temps son image et espère voir la bulle Juppé se dégonfler.